Baby, can you move around the rhythm so we can get with into the rolling? Get us a rock and roll round. Down, down, body, body coming with the super hottie. Let's go, let's go, hello. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the last days. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une des plus grosses sorties de ces derniers temps, c'est-à-dire Assassin's Creed Origins. Ce genre de jeu, mais que tout le monde attendait, hein, j'ai envie de dire. T'es majeur, cette beauté graphique. Encore là, c'est la version PS4, hein, j'imagine pas ce que ça va être sur la version PC. Enfin, ce que ça doit être sur la version PC, je crois qu'il est déjà sorti, c'est déjà sur PC de toute façon. Enfin, bref. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur Assassin's Creed. J'avais envie d'y jouer, j'avais envie de faire une vidéo, étant donné que j'y ai joué et que j'ai bien kiffé. Du coup, c'est parti. Pouah, ce genre de saut d'être, oh là là. Ça faisait longtemps. Alors, la particularité de ce Assassin's Creed, c'est que au lieu de l'avoir fait, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ils ont fait ça plutôt porté sur un RPG, c'est-à-dire on a des quêtes principales ou annexes, même des événements et tout, et on a aussi un système d'équipement comme ça. Du coup, c'est très porté RPG. Du coup. Mais et on a aussi une arme de compétences assez variée. Et à tout moment, si on reste appuyé sur la flèche du haut, on peut quitter l'animus. Parce que je crois qu'il y a des trucs à faire aussi en dehors de l'animus. Je pense qu'on va faire quête principale. Ouais. Allez, c'est parti. En plus, à tout moment, on peut basculer vers l'aide. Genre, ça nous fait une magnifique vue. En plus de savoir où est-ce qu'à peu près on peut trouver des ressources. Ou des objectifs aussi, des trésors. De tout, en fait. Vous voyez, on peut tout voir. C'est pas mal, franchement. Moi j'aime bien. Moi, j'adhère beaucoup. Ce qui est bien aussi maintenant dans celui-ci, c'est qu'on peut quasiment monter tout, genre ça par exemple, si je veux le monter, hop, je peux. C'est génial, franchement, j'adore. Enfin, un Assassin's Creed où tu peux vraiment tout monter presque. Il y a toujours des trucs qu'on peut pas forcément monter, tu vois. Mais là, une très grande partie des obstacles, etc., on peut les franchir, c'est génial, franchement, j'adore. Très bien, ça rapisse. Et maintenant, où est Aya? Ah, ça rapisse. J'ai écrit une épopée pastorale tragicomique en son honneur. C'est bien. Tu es Bayek. Aya a hâte de te voir. Elle va bien? Vite, suis-moi. Ok. Désolé, mon bon ami. Tu m'as l'air d'être saoul. Cette bibliothèque est réservée aux vrais lettrés. Elle se cache. Qui es-tu? Ah, tu t'intéresses au verre d'Homère, hein? Par ici, viens. Je suis le cousin d'Aya, Phanos. Ah, oui, Phanos. On n'a plus l'objectif du lieu. Invite à rencontrer. Dis-moi ce qui est arrivé à Aya. Pourquoi parles-tu si bas? Génadios a envoyé ses hommes fouiller chaque maison. Ils font souvent sortir les habitants et les torturent pour obtenir des informations. C'est une pratique courante du régime. Génadios. Un monstre. Le Philakitaï d'Alexandrie. Il saccage la ville pour retrouver Aya. Où est-elle en ce moment? J'ai un ami très puissant, Apollodorus. Tu dois avoir entendu parler de lui. Non, jamais. Ça viendra. Quoi qu'il en soit, il a aidé Aya à échapper aux gardes quand elle a eu des ennuis. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as toujours rien dit. Toutes sortes d'intrigues politiques. Ne t'en fais pas, il t'expliquera tout. Je ne vais pas plus loin. Si tu veux trouver Aya, entre dans ce monument. Ok. Pas de soucis, frère. Ok, l'entrée par-dessus. Putain. Pourquoi ils vont sur le côté? C'est par là! Ça a l'air aménagé, c'est pas mal. Tu m'as manqué. Ah d'accord.
Il ne faut plus qu'on reste séparés si longtemps. Ah, d'accord. Il n'y a plus que nous. Sans Kemu. Soyons heureux d'être ensemble. Tous les deux. L'un pour l'autre. Désolé. Hein. C'est... J'ai des nouvelles. Je savais pas. Si je choque les plus jeunes, je ne savais pas. Désolé. Les cicatrices de la justice. Ah. Je m'en suis servi pour frapper Medunamun. Ça me peine que nous ayons à faire de telles choses. Mais je suis heureuse que tu aies agi. Pour être franc, j'y ai pris du plaisir. D'accord. T'aimes bien tuer des gens, du coup. Le début de tout assassin. Mais non! Non, le rase pas. Tes mains m'ont manqué. Te toucher m'a manqué aussi. Mais non, mais... J'ai tué moi aussi. Le rase pas et tout, non. Actéon. Je l'ai traqué et j'ai découvert un masque dans sa chambre. À son retour, je l'ai contraint à le porter. Et j'ai enfoncé cette lame dans ses yeux. Aya. Sale. Mais j'ai été négligente. Un autre porteur de masque m'a suivi chez moi. Ça a été plus dur avec lui. Il en reste encore un. Ensuite, ce sera fini. Regarde ça. Je l'ai pris sur Actéon. Apollodorus pense qu'il s'agit d'un papyrus du Conseil Royal. Ça signifie que le serpent est à la cour de Ptolémée. Comment cet Apollodorus est-il au courant? Il a des informateurs partout, parce qu'il soutient Cléopâtre. Cléopâtre? Elle a été déclarée hors la loi. Par son traître de frère. Elle compte reprendre le trône. Ah ouais. Elle veut la mort du serpent autant que nous. Ah ouais. Elle me fait confiance. Oh. Elle m'a donné ça, pour lui ouvrir la gorge. Oh. C'est une lame ancienne qui a tué le tyran Xerxès. Un symbole de justice. Fais pas le con, fais pas le con. Ouais, fais pas le con. Ingénieux. Ah. J'irai au palais. Je découvrirai qui utilise le sceau du serpent. Et je me servirai de ceci. La lame secrète. Ouais. Hop, vas-y, on va se le faire. Tu apprendras beaucoup de choses. Ouais, on peut tout monter. C'est ça qui est génial. Alors, pas de soucis. Il y a des pierres, bah c'est bon, il y a des prises. Escalade, frère. Vas-y, approche. Quelqu'un cherche à se faire tuer. Il ne sera pas des soins, on a l'avantage. Allez. Arcon, t'as été touché. Vite. Hop, terminé. Maintenant, on va confirmer la mort à Genedios. Pourquoi m'as-tu entraîné au pays des morts? Tu voulais tuer ma femme! Ta chienne de femme est une meurtrière! Elle a tué délibérément. J'ai fait mon devoir de Philakitai. Et c'est pour ça que tu as pris ma vie. Ta vengeance est-elle au-dessus des lois, Medjay? Prends garde. Les Philakès te traqueront et se vengeront sans pitié. Moi, puisse le cacher, marcher à tes côtés. Le seigneur de la droite attend. C'est stylé. C'est original comme nom. Ça change. Bon. Alors lui il est fait. Maintenant j'ai une autre quête. La fin du serpent. Des documents officiels. Ce coffre appartient au scribe royal, Eudoros. Un double fond.
Très cher Ibis, le pharaon demeure docile. Il reste notre marionnette en toutes choses. Agis avec prudence, Asiwa. Le meurtre du héron n'était pas le premier. Deux d'entre nous ont aussi été tués ici, à Alexandrie. Nous gardons pourtant le contrôle de la situation. Génadios s'emploie à interroger la population. Nous louons tes efforts, Ibis. Longue vie. Marqué du sceau du serpent. Scribe royal et le serpent. C'est Eudoros. Ok. Maintenant que je sais qui c'est, je pourrais le tuer. Oh, me dis pas qu'ils sont tous à poil. Ah bah presque. Ah bah ouais, presque à poil. Hein. Allez. Genre tu sais que je suis là. Hop, c'est fait. C'est pas très discret, mais c'est fait. Et il va lui préparer du sale. Genre résistant. T'as l'âme. T'as perdu ton doigt, frère. Meurs et disparais à jamais. Que les dieux te maudissent. Pourquoi veux-tu me tuer? Wesh. C'est toi qui as tué mon fils sous mes yeux. Tu n'es qu'un fou. Au temple, à Siwa. Ce sinistre trou à rat perdu, je n'ai rien à voir avec ce désastre. Il est trop tard pour mentir. Anubis, t'attends. Pour tuer le serpent, ça en valait bien la peine. Le serpent ? Le serpent ne mourra jamais. Fils d'Apep, Alpata, le seigneur de la droite, attend. Bon. On a buté le serpent. C'est pas assez rapide. Te voilà. Aïe. C'est pas du jeu. Ah. C'est pas du jeu, je te dis. Ouais, on va s'arrêter là. Sur ce, bah si t'as kiffé la vidéo, je te laisse mettre un pouce bleu. Ici. Ouais, ici. Tu veux louper aucune autre de mes vidéos, abonne-toi. Tu connais, c'est la base. Et n'hésite pas à partager, ça ferait super plaisir. Et tchou.